Salut à tous, on se retrouve sur Total War Les Trois Royaumes. Nous poursuivons la campagne dédiée au Turban Jaune, dirigée par Zhang Zhu, et nous sommes 2 ans après le début de la campagne du Mandat du Ciel, et on a acquis la propriété de trois petits territoires. Nos alliés eux-mêmes, qui sont nos deux frères, ont récupéré pas mal de territoires, et au total, ça nous en fait 10 déjà sur 50. Alors ça va pas être proportionnel au temps passé, parce que sinon. En gros, on a mis 2 ans pour avoir 10 territoires, il nous faudrait 10 ans pour réussir la campagne. Je pense que ça va se stabiliser au bout d'un moment, et du coup qu'on va perdre et reconquérir des territoires en permanence. Ça pourrait être assez long, j'imagine. Du moins, je l'espère, d'une certaine façon, sans que ça ait à s'éterniser. On avait fini sur une bataille la dernière fois contre Liu Yu, et on l'avait vaincu. Donc, il va devoir repoper ailleurs avec son général Gong Sun Zan. Alors j'avais évoqué ça durant le premier épisode. Quand la ferveur, d'ailleurs, là c'est étrange qu'elle soit descendue à zéro. Quand la ferveur atteint 100, normalement il y a une rébellion des Turbans Jaunes qui pop, et c'est ce qui est arrivé. Il y a une rébellion des Turbans Jaunes qui est arrivée sur ce territoire, et du coup, ils vont prendre le contrôle de la ville, tout simplement. Donc tous les territoires qui sont en nord-est, ils vont pas forcément être en ma possession directe, mais ce sera envers la faction alliée des Turbans Jaunes, qui est aussi différente de celle de mes deux frères. C'est pas la même chose. Ouais, ils sont pas contents, les personnages, mais on peut pas y faire grand-chose, quoi. Je peux pas nommer encore de ministre ou quoi que ce soit. Je peux peut-être nommer un gouverneur, ouais, voilà. Donc on va prendre celui qui est le plus mécontent. Et on va lui dire, alors le commerce, on gagne rien là-dessus. Par contre, ouais, propriété familiale, voilà, c'est ça l'essentiel. Revenu des récoltes, c'est pas mal. Revenu de la paysannerie, on fait ça. Et on passe le tour. On a toute une série de missions qui nous a été donnée. Je pense pas qu'avec ce deuxième épisode, on parvienne à en valider une, mais on va essayer de le faire au maximum. Là, je vois qu'il y a un adversaire à l'ouest qui arrive. C'est un peu pénible, mais il fallait s'y attendre en même temps. C'est Ding Yuan, si je comprends bien. La rébellion de Liang. Des nouvelles inquiétantes vous parviennent des territoires occidentaux de l'Empire. Quelques groupes auxiliaires se sont opportunément rebellés contre les Han et ont commencé à terroriser les comtés voisins. Ouais, mais c'était loin, donc ça va, c'est pas un problème. Les territoires occidentaux de l'Empire. Alors, toi, tu es bien Ding Yuan, tu as une armée de 8 unités plus les 2 unités de commandement. Et nous, en face. C'est le village, ça, ou c'est la ville? Non, la ville, c'est celle-là, donc le village. Hein, quand même! Alors, après, s'ils nous attaquent et qu'on a des tours pour se défendre, on peut gagner. S'ils nous attaquent sans les tours. Je vois pas trop comment on pourrait gagner. Et j'hésite à prendre un général là. On a 3 archers, 2 cavaliers et 2 unités de lanciers, mais là il faudra gérer les généraux en plus, donc c'est un peu compliqué. Même si là, ces 2 unités-là sont vraiment abîmées. Et le général ici aussi est abîmé. Ouais, c'est un peu pénible. En même temps, lui, de là où il est, même en allant très vite. On pourrait presque le rejoindre. Ah, c'est un peu de. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger vers cette commanderie-là. Et le prochain tour, on la prend ici. On va essayer de se défendre. Si ça marche pas, on descend avec l'armée principale vers le sud et puis on la récupère tout simplement. Lui, cet adversaire-là, il possède quoi exactement? 4 territoires. Et après, il y a les montagnes. Et en plus, c'est des territoires que l'on doit prendre. Peut-être que je vais changer ma stratégie. Alors là, c'est la circonstance qui fait ça. J'avais prévu de partir au nord-est. Et finalement, peut-être que prendre le contrôle de ces 4 territoires serait bénéfique pour ensuite être tranquille, verrouiller l'accès. De l'autre côté, c'est un désert, je crois. Il y a une chaîne de montagnes ici. Et après, peut-être qu'on pourrait se concentrer proprement sur le nord-est. Ouais, on va voir. On établit des stratégies, mais il suffit juste qu'une armée débarque à un endroit qui n'était pas vraiment prévu pour qu'on change tout. Ou alors peut-être que là on va réussir à le repousser, ça va nous faire changer encore d'opinion et de plan. Cela nous bénéficiera mutuellement. Faire sortir
L'alliance militaire, faire sortir de l'alliance militaire. Nous voterons pour retirer Revol de Turban Jaune de l'alliance militaire. T'es avec nous, toi? Apparemment. Peu importe votre vote. Bah oui, non. Ça sert à quoi de virer les turbans jaunes, franchement? Une rencontre C'est productive potentiellement pour notre l'Assemblée. meilleur allié, d'ailleurs, les turbans jaunes, parce qu'ils peuvent popper n'importe où sur la carte, tant que la ferveur est élevée. Mais il n'a rien fait, en fait. Zhang Liang a déclaré la guerre à Matang. Ok. Mais Zhang Liang, c'est mon frère, et Matang, il est à l'autre bout de l'univers. Matang, c'est complètement... complètement à l'ouest. Tac, Attaquez-les! voilà. Soyez braves! Bon, bah, pas de résistance. Je sais pas si on va trouver durant Le ciel a guidé nos armes. cette vidéo, cet épisode, une bataille à notre mesure à mener en direct. La corruption ne règnera plus ici. Alors, sachant qu'on gagne La vraiment pas foi beaucoup là, seule élimine les c'est limite risques. pour générer une nouvelle armée. En tout cas, on a. Heureusement qu'on avait quelques réserves. Bon, le chemin à prendre, c'est le sud. On va récupérer nos hommes assez rapidement. Dai. Wep. Carrément. C'est étrange cette commanderie là de Yanmen. Parce qu'il y a un territoire qui est un petit peu isolé ici, on voit la chaîne de montagnes, et du coup le territoire est vraiment, vraiment à l'ouest dans les montagnes. Alors quand on voit le territoire ici, on a l'impression qu'elle est plutôt liée à Gaoliu, à l'est. Ces deux territoires vont mieux ensemble, je trouve. En tant que ensemble géographique. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les bandits dans le nord. Succession de factions, ok. Ding Yuan et Zhang Yan. Bah c'est très bien pour nous ça. Maladie, mince. Ah bah si, en fait c'est ça. Des miasmes familiers émanent de l'autre côté des remparts. Le moindre de vos soldats éprouve de l'aversion face à cette évidence. La maladie a frappé l'ennemi au-delà des portes. Les adversaires se tordent de douleur alors que l'épidémie se diffuse. Cela peut jouer en notre faveur, bah oui, clairement, c'est ce qui les a empêchés d'attaquer. Moins de ravitaillement, parce qu'ils assiègent en fait, déjà. Par contre, ce qu'on peut faire là, on peut les rejoindre et même en vitesse Nos standard, lames ne font apparemment. qu'un. Et ils fuient. Très très bien. Heureusement que la maladie était arrivée d'une certaine façon, j'espère pas qu'il va me contaminer. Que le ciel entende notre fureur. Ok, et en sachant que maintenant il y a Zangan qui débarque. Alors oui, ok. Donc lui, on ne pourra pas l'attaquer directement, on va pas s'en prendre à lui. Ce qui va nous aider là, contre Ding Yuan. Peut-être même que cette armée-là va se retirer pour défendre ses frontières septentrionales. Et nous, on n'a rien à faire. Hop, passe le tour. On va voir quelle décision il prend. Mais je suis quasiment maintenant décidé à l'achever, quoi. Je me dis, avec l'aide des bandits ou non, il faut qu'on reprenne ces territoires. Et pendant ce temps-là, on voit que le nord-est se débrouille plutôt bien, parce qu'il y a des révoltes qui éclatent ici et là. Et tous les territoires de Zhao, de Liu Yu, on va pas pouvoir les prendre. C'est clair qu'on va prendre des territoires, ce qui reste, quoi, disons. Faction détruite, Luzi. Je sais pas où il était, le Luzi. Ok. Ce qu'on vient de valider, c'était ça? C'était le. Ah, l'entretien des régiments, c'est ça, l'entretien des régiments. Est-ce qu'on voit une différence? 900... Oh oui, on voit une différence. Très bien. C'était pas de la rigolade alors. Maintenant. Ben, on regarde ce qui coûte 4 en points, ravitaillement, ouais, mais c'est moyen. 10. 10. 4. Ouais, mais là, c'est des options de bataille qui m'intéressent pas vraiment en début de campagne. Coût de recrutement et reconstitution, c'est pas ridicule. Élimination, rang de départ pour les. Ouais, ça c'était pas mal non plus. Expérience de personnage moyen ici. Surtout, peut-être en mode romance, ça vaut plus le coup. Rang de départ pour toutes les recrues, bah ça c'est mieux ça. Ouais, mais ça prend 6 tours. Et de l'autre côté en économie, entretien des bâtiments, c'est peut-être pas mal ça. Ouais, c'est peut-être pas mal. Hop. Je sais pas combien ça nous fera économiser. En tout cas, il n'a pas bougé. Je sais pas ce qu'il fabrique.
Mais. Le ciel nous appelle. Mais c'est sa fin, là. Au nom du ciel jaune. Ok, bah alors, même si on l'écrase complètement, on va l'amener cette bataille. En fait, il a subi déjà des pertes. Donc, c'est parti. Ils sont plus nombreux que la dernière fois, on va se dire ça. Tu vois, en premier épisode, on a fait une seule bataille et c'était contre quoi, 400 hommes. Avec la même armée que j'ai actuellement, on avait perdu pas mal de troupes, on avait perdu peut-être 250 hommes, mais bon. C'était pas si grave parce qu'on avait la sécurité de pouvoir les récupérer bien assez vite. Alors, il y a une rivière. Une rivière, il y a pas mal de forêts. Moi, j'aime bien les terrains dégagés. Alors, on va devoir faire avec ce terrain capricieux. Après, il n'y a pas trop de relief. Donc, c'est lui qui permet à ses troupes d'être en avant-garde. Hein. On va regrouper tous les généraux pour faire un gros bloc de cavaliers. Et on va les faire jaillir plutôt de la forêt, peut-être. De l'autre côté, on va prendre les archers. Et les lanciers. Formation ultra basique. Il semble venir. C'est bien. Peut-être qu'on va s'arrêter avant, les gars. Parce qu'il va falloir tirer, l'arroser. Peut-être casser le mode escarmouche parce que la fuite et l'arrivée de l'adversaire, j'aime pas trop ça. Là, nos cavaliers, leur boulot, ça va être de rattraper ses propres généraux en face. Nos archers vont allumer les leurs. En fait, c'est les piquets qui vont pas faire de boulot. J'espère qu'ils vont pouvoir les rattraper, ces cavaliers-là. Bah, c'est bien. Il essaie de nous contourner, mais bon, ils sont déjà en panique. Vous mangez bien. Vous avez l'air mal en point. Mangez bien. L'ennemi s'enfuit. Ah oui, ça va faire mal. Eux avec leur sorte de piolet là, ils vont me faire valser des adversaires vraiment, ouais, boum. C'est bien. Là surtout la coordination de nos attaques a fait que son moral s'effondre en 2 secondes. L'ennemi s'enfuit. La déroute totale, il y a lui encore. Bah c'est le chef de faction hein. Allez, vous. Eh, il va résister combien de temps, lui? Votre fin est proche. Vos mots sont aussi veuls que vous. Ils sont 13. Ok. Très bien. Bon, normalement, il va être exterminé dans la mesure où il avait déjà fui en premier temps le combat. Et du coup, on va pouvoir s'orienter maintenant vers l'ouest. Si je me trompe pas, il reste 3 de ces territoires à prendre. Voilà la preuve que nous sommes justes.
Ok, on gagne du zèle. Toujours. Ah, alors, qu'est-ce qu'on en fait? Là, j'ai envie de le libérer pour récupérer des sous, parce que là, franchement, l'exécuter, ce serait un peu du gâchis. Je vous en serai redevable. Eh oui. Laissez-les partir. Rançonner. On a récupéré pas mal de sous avec cette bataille. Et du coup, maintenant, on va repartir. Est-ce qu'on repart en vitesse normale? J'ai envie de dire oui pour récupérer les quelques pertes qu'on a eues. Le souci, c'est que on arriverait... Ah ouais, non, ça m'arrange pas. Je crois qu'on va devoir, malgré nous, voilà, faire ça pour que le prochain tour, on puisse prendre le contrôle de ce petit village et récupérer enfin des troupes. Là, on n'a pas eu des grosses pertes, donc franchement, c'est pas très grave. Ouais, t'es juste pas content, quoi. Ouais. Alors, je sais plus si les personnages pas contents, qui sont juste des nobles de cour, qui n'ont pas d'armée, ben, ils peuvent au pire, ils peuvent fuir. Et du coup, c'est pas une immense perte, tant qu'ils sont pas généraux, qu'ils n'ont pas de régiment sous leur contrôle, c'est pas une grande menace. Mais bon, ça peut être décevant de perdre ses effectifs de nobles... de cette façon, alors en même temps je peux rien faire. Il me semble que je peux rien faire. Alors, marche normale et hop. Là en plus il était à 100 de ferveur, du coup il y aurait une révolte qui aurait éclaté. Mais en prenant le contrôle du village, on va l'empêcher. Parce que c'est nous la révolte. Le ciel a guidé nos armes. Alors je me demande, on peut noter à combien de zèle. C'est quoi la limite? Est-ce que je voyais 500? On ne sait pas. Il n'y a qu'une jauge et pas des chiffres. Pas de chiffres. Si, voilà des chiffres. Ah du coup c'est 600 maximum. Ok. Alors, un trésor, l'un de vos généraux vous envoie un messager depuis la nouvelle colonie manifestement chargée d'un colis précieux. On l'amène immédiatement devant vous, il s'agenouille et vous présente un coffre richement décoré dont la serrure est brisée. Vous l'ouvrez pour découvrir son contenu, un trésor des plus inestimables. Chance d'obtenir un auxiliaire Zang joué, faction, ok. La vérité prévaudra. Et là, on peut faire une mine de fer, et oui, on était avec des outilleurs et compagnie. Et je crois qu'on parlait de cette province, justement. Puisqu'on a les sous, on le fait, on est très riche même, et on est même passé à 1200 ici, c'est très appréciable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on avait pris la dernière fois? Portée, ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Satisfaction. Oh, satisfaction. Ça, c'est pas mal, hein. Alors, c'est pas lui le plus mécontent, mais... Revenu de la paysannerie dans toute la faction, plus 3%, ça peut paraître négligeable, mais si on multiplie par plusieurs généraux, ça peut être pas mal. Revenu du commerce, 6%. Alors je pense que la paysannerie s'intègre aux propriétés familiales, et je sais pas trop là du coup. On va prendre ça, on va voir. 1213, attendez, tac. 1221, ouais génial, 3%, ouais, c'était vraiment infime. Alors, ici, c'est un petit peu hétéroclite ici. Hein. Dans les commanderies ennemies adjacentes, ça c'est pas mal. Revenu, oh bah du revenu, direct. Ouais, il faudra attendre, c'est pas grave. Parce qu'on peut faire qu'un bâtiment à la fois, j'avais oublié ça. Ouais, mais là... À moins qu'on ait des objets. Ouais, des objets. Oh, il y a même des conseillers, s'il vous plaît. Mais ils n'apportent pas de satisfaction. Ça, c'est déjà quelque chose. Vous n'étiez pas content. Purée. Ah. Ouais, enfin, c'est pas mal. Plus de d'ordre public. Dans les circonstances actuelles... J'en ai pas vraiment besoin, il gère pas de commanderie, donc on va lui mettre celui-là. Et là, hop, parfait. Et on se maintient avec une grosse réserve de sous.
Bon, bah, du coup, tous les territoires du nord-est sont en train de tomber, j'ai l'impression, au fur et à mesure. Après, si tout était sous le contrôle des turbans jaunes alliés, il n'y a pas de souci, hein. J'accepte bien volontiers. Après, il faudra pas oublier que Liu Yu, c'est moi qui l'ai affronté sur le champ de bataille et qui l'ai battu. Les rebelles ne se seront contentés que de prendre des villages. Frères d'armes, unis par la guerre, deux frères d'armes sont assis autour d'un feu de camp dans la lumière déclinante du soir. Ils échangent des récits de gloire et se remémorent leurs amis perdus depuis longtemps. Le sourire est mélancolique et l'esprit vagabond. Mais ce qu'ils apprécient le plus, c'est leur soutien mutuel. Ok, frères d'armes, du coup. Ok, toi t'es un autre général de mon armée, très très bien, on est content. Alors lui c'est une autre faction, on est en guerre contre lui, mais c'est peut-être pas ce qui nous intéresse le plus. Il faudrait peut-être traverser les montagnes pour aller se confronter directement à Ding Yuan à nouveau. Après ça nous entraînerait toujours plus au sud, faire une boucle après. De l'autre côté, on voit que les révoltes fonctionnent vraiment bien, quoi. Donc bon, on continuera plutôt dans ce sens-là. Oh, attention, attention. Il faut vraiment faire le tour. On peut pas utiliser des passages souterrains comme les nains dans Warhammer. Bon, on y va. Hein. Mais hop, on va accélérer parce que sinon ça va être infernal. Tout est fort et vain. Et en plus, le prochain tour c'est l'hiver, donc ça va être réduit. On a 5 territoires déjà. Et au total, on a déjà 21 territoires avec nos alliés et les turbans jaunes. Très bien. C'est vrai que pour l'instant, tout se passe bien. Après, peut-être qu'on va avoir des déconvenues, mais vous imaginez quelle a été ma frustration quand je me suis rendu compte. En tournant 2 premiers épisodes dans le vide, ben je jouais en normal et du coup je me suis dit maman c'est trop simple quoi, beaucoup trop simple. Après on peut changer en cours de campagne la difficulté, que ce soit de la campagne ou des batailles, mais je voulais vraiment recommencer en mode difficile pour voir si ça changeait grand chose. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de différence. Nous recevons, vous donner, bah bon allez d'accord. Nous avons atteint les résultats C'est bien parce que c'est escomptés. mon frangin. Hein. On n'est pas à sec au niveau des sous, mais bon. On gagne quoi 1000 par tour? Après, il faut s'entraider. Voilà. S'il y a des accords à faire avec les alliés, on les fait. Sauf si c'est vraiment en notre défaveur. Ah oui, bientôt, les rebelles Nanman vont se diviser, je crois. Je crois qu'à un moment donné, il y a une explosion du nombre de factions ici. Au sud, encore plus loin, dans les montagnes birmanes. À un moment donné, ça va complètement éclater là. Ou alors c'est juste les autres qui vont apparaître. Je sais pas comment ça se passe. J'ai pas acheté le DLC concernant ces tribus là. Ici, bah il est là, mais j'ai pas vraiment peur de lui, ce qui fait que je vais pouvoir m'avancer en mode Ici n'est pas marche. la voie. Et lui, il a pas bougé. J'ai un petit doute là. On joue bien en difficile ou quoi? Paramètres du jeu. Ouais, difficile, difficile, ok. Bon, du coup, ils ne peuvent pas faire grand-chose contre nous. Il faudra bien qu'ils aient tout. Même avec ça, hein, franchement. Même avec ça suffira pas pour nous stopper. Ici. Alors, oui, c'est quoi le bâtiment? C'est ça, le bâtiment qui nous permet d'améliorer la vitesse de recherche. Alors, je pense qu'on va partir là-dessus. Ça peut être vraiment pas mal parce qu'on peut monter à combien? À 25% de taux de recherche en accélération. Il faut s'imaginer avoir 4 de ces bâtiments pour multiplier, enfin pour diviser le temps de recherche par 2. Donc ça c'est vraiment très très bien. Toujours les personnages qui font la gueule, mais toujours pas de solution. Non. Toujours pas de possibilité de. Nombre. Ah oui, du coup, c'est par les technologies peut-être qu'il faudrait le faire. Alors qu'avec les autres factions, il me semble que c'est possible dès le début. Du moins, certains postes sont déjà débloqués.
tellement de révoltes de turbans jaunes là à l'est, c'est dingue. C'est que la ferveur, ça monte très très vite, quoi. Et je sais pas en face, parce que j'ai pas été assez loin dans ma partie avec Liu Chang, je sais pas, quand on est confronté au turban jaune, comment réduire la ferveur? Je pense qu'il y a des bâtiments pour ça, mais sinon c'est la reconquête, quoi, il faut reprendre tous les territoires. Ok, j'ai l'impression qu'ils cherchent à fuir. Retournez à vos postes pour la cause. Ouais, c'est clair et net. Après, l'important c'est que le bandit dans sa montagne, il ne me déclenche pas une guerre. Quoi. Il n'y a pas intérêt. Ils sont perdus. Nous les guiderons. Ok, alors. Croissance de la population. Et revenus de l'industrie. Bah, ça veut dire qu'on devra développer l'industrie. Il est déjà présent. C'est bien. Et puis là, c'est des revenus industriels. C'est très très bien ça. La dynamique est bonne. On va finir les bâtiments. Et après, on verra les personnages. Un tour seulement? En même temps, le bonus à portée, il n'est pas forcément le plus intéressant ici. Mais en même temps, c'est qu'un tour. Allez, allons-y. Et on a de la réserve. On gagne 1600. Je revérifie la diplomatie. Il n'y a vraiment toujours rien qu'on puisse faire. Ok. Je crois que la diplomatie, on va oublier. Et du coup, on disait les personnages. Ben... Que puis-je y faire, mes braves gens? Il ne resterait plus qu'une. Et en plus, on aurait la province en entier. Là, c'est une porte, c'est vrai. Je ne sais pas si elle était dans le jeu de base, qui dans la campagne débute en 190. Mais il y a des portes. Et il y a ça dans Total War Warhammer aussi. Ils ont introduit ça dans Total War Warhammer 2. Des forteresses qui bloquent des points de passage entre les montagnes. C'est plutôt bien pensé. Si nous n'avons pas le choix. Ici, ça va verrouiller l'accès au nord. Ah, toi, t'as gagné un niveau, c'est autre chose. Tu es guérisseur, tu es un de mes commandants, tu pourrais avoir ceci, ce serait pas mal en bataille. Satisfaction. Ouais, c'est vrai qu'il est pas très satisfait, on va faire ça. Voilà, 48. Ah, une révolte, tiens, je viens de la voir. Faire sortir l'alliance militaire. Ah, il continue, Bigongdu, il est un peu pénible. Laisse-les tranquilles, les turbans jaunes, ils font le café. Vraiment, ils sont très très bien, et c'est toi qui vas sortir de la coalition si ça continue. Oh, donc Zuo est là. Je sais plus où on voit le nombre de provinces possédées. Parce que là pour l'instant il n'en a qu'une ou quoi? S'il a que ça, franchement. Pour aller le chercher par la suite. On arriverait au bord du fleuve. C'est lequel ce fleuve là? Je confonds toujours le fleuve jaune et le Yangtze Jiang. C'est pas indiqué quelque part? Fleuve jaune, ok, c'est bien ça. Fleuve jaune. Bon alors, nous notre objectif ici c'est de prendre ceci. Ce sera le prochain tour. Hop, on peut faire ça. Ça prend du temps, mais il faut le lancer maintenant, du coup. Et ici... Ah, oh, taux de recherche. Juste en un tour, là, c'est top. Vraiment, très très bien. Il est là. Donc il y aura peut-être une bataille. Là. Je sais pas s'ils peuvent se défendre. Moyen, moyen. Hein. Et là, ça a cartonné. Il reste quelques territoires qui appartiennent à Liu Yu. Je rappelle... que dans les missions, on doit exterminer cette faction, et puis nous, on est parti plutôt vers cette branche-là, on aurait de l'équipement puissant pour les turbans jaunes, si jamais on prend cette ville-là. J'espère vraiment qu'on va nous alimenter de missions au fur et à mesure de la campagne, qu'on ne soit pas démunis au bout des premières missions qu'on valide, quoi.
Je suis de ces joueurs qui aiment être guidés dans les jeux. Avoir des objectifs. Ah, il nous a déclaré la guerre. Ou alors c'est nous qui lui avons déclaré la guerre, je me rends compte, parce que... Non, c'est notre allié, ok. Donc nous, on le suit, forcément. Et puis, en plus, on a une révolte de Turban Jaune qui éclate ici. Alors après, elle éclate... C'est très étrange, parce qu'elle éclate sur notre territoire. C'est bizarre, quand même. Ils sont en train de perdre des hommes. Bah, peut-être qu'on va devoir monter au nord, mais le problème, c'est que c'est une capitale. Et qu'au total, ils ont vraiment beaucoup de troupes. Oh, je vais pas me plaindre. On n'a pas eu de défi jusqu'ici. Celui-là, même celui-là. Voilà, quoi. Délégué, et puis, vite fait. Exiger la reddition. Je vais demander, mais c'est sa dernière province, donc il va pas accepter, voilà. Je délègue. Et c'est une formalité. Le peuple se réjouisse de notre victoire. J'aurais pas fait forcément beaucoup mieux que 174 pertes de mon côté. Des fois, je m'en sors beaucoup mieux que l'IA, et puis des fois... pas du tout. Pas du tout. Et voilà, mission réussie. L'équipement, je sais pas ce que c'est. Voilà, on a détruit Ding Yuan. Lui, à l'ouest, c'est terminé. Tai Yuan, outilleur. Vos disciples ont pris le contrôle de quelques-uns des meilleurs artisans de Tai Yuan. En plus d'une mine de fer qui servira à les approvisionner, ils n'ont guère mis de temps à fabriquer de magnifiques outils qui vous aideront dans votre rébellion. On n'en a eu qu'un. Bon, il est très très bien par contre. Hein. C'est vraiment 20, plus 25 d'instinct. Je sais pas si j'ai déjà vu ça. Pour l'instant, je vais te l'attribuer. Bâton de Zhang Joué. Et il y aura ça à prendre. Alors d'ailleurs, lui là. 1, 2, 3, 4, 5. C'est un gars plutôt balèze, Bian Zhang. Mais pourtant, il n'y a que ça qui m'intéresse pour l'instant. Le col de Gu. Il faudra qu'on verrouille ici. Parce que là, ça n'a pas l'air d'être possible de passer véritablement. Ça a l'air d'être un peu laborieux. Il faudrait prendre ça et ensuite monter au nord. J'espère que c'est bien défendu. Enfin, bien défendu. Pour que moi, je puisse le défendre par la suite. On va pas le prendre. On va le prendre en... assez facilement, normalement. Alors, tac. Allez, vas-y. Je te l'attribue. Ici, temps de construction, ouais, mais... C'est quoi les autres choix? Toc. Dégâts distance de votre régiment, t'as deux archers seulement. Perforant distance, ouais. Ah, je sais pas trop, là, franchement. Allez, on prend ça. Un petit peu au pif, hein, j'avoue. Eh, mais on va prendre ça, du coup. Tac, c'est mieux. Et toi, ton épée, 15, 11, 30. Ça se réfléchit. Celle-là. Ah, expertise, moins 3. Plus 9. Ouais, non, tant pis. On laisse comme ça. Et là, la recherche, on peut continuer jusqu'à plus 15%. Est-ce qu'on pousse notre chance, entre guillemets, jusque-là, ou est-ce qu'on fait autre chose? Je pense qu'on va continuer. Hein. Parce que plus on aura de taux de recherche à un moment donné, les tours vont être réduits dans la recherche. D'ailleurs, on peut en faire une nouvelle. Revenu de l'industrie. J'ai pas tant que ça d'industrie, mais j'ai quand même acquis une mine... Maintenant, c'est 5 tours. Hein. 120%, 5 tours. Ouais, c'est pas mal. Hein. De la nourriture, est-ce qu'on est en manque? Ah, on n'est pas très loin. Peut-être qu'on va faire ça. 5 tours, ouais. Bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est plutôt pas mal. Ça se développe très très vite. On a 21 territoires sur 50. Liu Yu est cantonné complètement. Repoussé par les révoltes qui ont éclaté ici et là. Des turbans jaunes. Moi, de mon côté, j'ai bien avancé à l'ouest. Je vais, durant le prochain tour, ce que je prévois, hein, après ça peut changer, c'est de prendre le col pour verrouiller l'accès, même si de l'autre côté, il y a déjà eu une révolte. De remonter ensuite vers le nord. Cette armée semble pas du tout suffisante pour prendre la capitale de ce bandit. C'est quoi, la montagne noire, c'est ça? Mont Yutai, ouais. Et du coup, avec notre armée complète, je pense que ça on fera le poids, même si
il risque de se renforcer d'ici là, et qu'en plus de ça, il a des troupes de garnison. Mais ça fera une vraie bataille, pour être sûr que dans ces montagnes-là, on soit tranquille. Et puis ensuite, on verra si on va gérer Dongzhuo ou pas. À voir. J'espère que ça vous a plu en tout cas, et puis on se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures chinoises. Salut à tous!